Bonjour à tous et bienvenue pour cette édition du Wevo TV. Ça fait super longtemps que je vous ai pas retrouvé et honnêtement ça me fait un plaisir mais pas possible. Je suis vraiment très heureux de retourner en podcast. Et pour ce Wevo TV, ce n'est pas mon ami Marco, mon traditionnel ami Marco, mais j'ai plein d'amis. Alors Marco n'est pas là, j'ai trouvé un autre ami, c'est mon ami Yoga, salut Yoga. Salut Ben, un plaisir de commenter avec toi pour ce Wevo TV spécial, on va dire. Ouais. Même si malheureusement Marseille a perdu contre Rennes 3-2 et Amiens a fait 0-0 Toi, contre Valenciennes, mais bon, c'est comme ça. sinon, tais-toi, sinon ça va couper court. Ça va couper court, le Wevo TV, il Bon, les va durer supporters, on ne long. l'est pas, hein. Écoute. Exactement. Ça, il n'y a que les vrais qui restent, même quand ils perdent. Mais on parlera football un peu plus tard, si tu le veux bien. Voilà. Un petit Wevo TV un peu spécial. On récapitule pas la semaine. On va récapituler un peu, pas l'année non plus, mais il y a grosse partie de l'année. On parlera bien évidemment de l'actu chaude du moment, hein, puisque c'est la sortie prochaine de WWE 2K17. On est déjà au 2K17. On parlera aussi, qui dit fin de saison, dit récompense. Bonne récompense, mauvaise récompense. Les slammies, les crappies. On a eu un petit désaccord, on vous en parlera pendant ce podcast. Et on terminera avec les tops et les flops de Yoga et les miens également de cette saison. On est ensemble pour à peu près une petite demi-heure. Et on espère que vous écouterez et que vous réagirez surtout parce que ça sera important. On aura vraiment besoin de vos avis après. Donc On écoutez bien compte tout ce sur qu'on va vous. vous dire. Voilà, on compte sur vous. C'est un peu comme les Restos du Cœur. Désolé, ça m'est sorti. Bref. Donc on va sans plus tarder commencer. Est-ce qu'on commence déjà par la sortie du jeu WWE 2K17? Eh Est-ce bien, que ça te... pourquoi pas, samedi, là, samedi. Le jeu sortira donc à la fin octobre en Europe. Le 11. Et Il sort le 11 2K... octobre. Le 11 octobre? Ah, si, si, il sort le 11 octobre en Europe. Non. Si, si, déjà, Sérieux? en début de mois, parce que normalement, d'habitude, en effet, c'est en fin de mois, mais là, ils ont décidé de faire ça très tôt, hein, voire 2 semaines après FIFA, donc on va Ouais, avoir deux pas semaines. mal. Ouais. Donc bah excellente nouvelle, je viens de l'apprendre, honnêtement je viens de l'apprendre, j'étais persuadé que c'était fin octobre. Non, c'est début octobre. C'est une excellente nouvelle. 2K17 cette année, ils ont vraiment dévoilé un max de choses. Il y a beaucoup de nouveautés, il y a beaucoup de choses en plus. Quelles nouveautés, toi Yoga, t'ont plu, qui ont été annoncées? Moi, c'est simple, hein, c'est le backstage, hein, c'est de pouvoir nous se battre en backstage avec plusieurs environnements, hein, à la fois dans le vestiaire, à la fois dans le parking. Et d'ailleurs, des nouvelles fonctionnalités, puisqu'on peut, avec des nouveaux finishers, on peut également se battre avec les vestiaires, les portes, plusieurs choses à la fois, donc Ouais, c'est franchement, pas les mal. vidéos gameplay de Backstage Brawl donnent vraiment envie, même dans le public, hein. Même dans le public, on peut faire des choses sympas quand même. Même sur l'entrée, sur la scène et tout, il y a le Titan Tron et tout. C'est vraiment sympa. Il y a pas mal d'autres nouveautés, le mode carrière. Paul Heyman l'a présenté il y a 2-3 jours, il me semble. Où on peut soit choisir de passer par NXT, faire le chemin traditionnel, on va dire, NXT, faire 2-3 apparitions à SmackDown et ensuite voilà. Soit devenir un Paul Heyman Man guy. guy, un bad guy, ce mode carrière-là est vraiment très intéressant. On a aussi, mince, qu'est-ce que je voulais dire, Les je sais plus. échelles, il y a aussi les échelles avec Le moteur des échelles a été renouvelé, le moteur des tables a été renouvelé, on espère aussi quelques nouvelles stipulations. Je sais plus d'autres quoi, comme autre nouveauté il y a eu. Il y a eu J'en le avais système de une. ciblage, il me semble. Il y a eu le nouveau système de ciblage Au en niveau du header, ciblage, etc. il y a aussi des nouveaux modes. On peut aussi créer une vidéo. Il n'y a toujours pas créé de scénario. Donc c'est un poil dommage, mais on peut créer des vidéos. On peut faire quand même des choses assez sympas. Il y aura le mode Donc. apparemment avec la série de victoires de Brock Lesnar, un peu comme celle qu'on avait vue Ouais, de The voilà. Streak avec Undertaker, donc. Ouais, c'est ça pour 2K15, il me semble. Donc franchement, un bon 2K qui s'annonce. Après bon voilà, nous concernant au niveau de la Wrestling Evo, on attend surtout le mode online, voir si en online il y a toutes les stipules qui sont en offline, voir si le réseau est bon, tous ces trucs là quoi. Donc c'est important aussi pour nous de voir ça, Ah, mais pour ça on le tester des découvre au dernier machines. moment. Hein. On a aussi un beau roster, même s'il y a beaucoup de très bonnes superstars en DLC. Le DLC a été annoncé aujourd'hui, pas plus tard qu'aujourd'hui, avec The Club, avec Austin Aries, Eddie Guerrero.
Eddie Guerrero, Il y a Tag Taker, Digger, The Perfect Ten. Donc on a quand même un beau roster. Les images sont belles en fin de compte. Hein. Ils ont montré des actions de jeu, des entrées, tout ça. C'est quand même propre, il n'y a pas à dire. Moi j'étais déçu honnêtement des premiers screenshots. On peut toujours faire mieux, c'est sûr, mais franchement je trouve que sur le papier en tout cas, hein, sur ce qu'ils nous annoncent, le 2K17 a l'air bien meilleur que le 2K16. Bah après, à savoir, c'est que pour le moment, le moteur il ne change pas forcément beaucoup puisque le jeu va encore sortir sur les anciennes consoles, PS3 et 360. Voilà. Donc, du coup, forcément, faut pas C'est ça. trop non plus attendre quelque chose Non, exact, d'énormissime. exact. Hein, mais. Mais voilà, en attendant, moi personnellement, il me botte bien plus que je suis bien plus emballé que finalement par la sortie du 17 que par le 16, honnêtement. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Je sais pas ce que t'en penses, le gars, si il est plus prometteur. Moi, je l'achète chaque année le jeu, donc on attendait à chaque fois beaucoup de choses hein, sur le jeu, faut le dire, à chaque fois niveau Voilà. stipulation, etc. Mais rien que pour le fait qu'il y a le retour des backstage et qu'ils ont fait un effort sur les améliorations des échelles, des tables, c'est vrai que ça annonce beaucoup de choses intéressantes, donc hâte de tester tout ça. Ça peut être très bon. Donner de nouveaux avis aussi hein, sur tout ça, sur le roster, le moteur graphique, les modes de jeu, tout ça. Et en attendant, on a hâte que l'IFED reprenne, que la distribution des persos aussi se fasse, et qu'on espère faire commencer une mini-Fed. Ça peut être très intéressant. On a hâte. 2K17 sort donc d'ici 3 semaines. Le 11 octobre. Le 11 octobre, donc d'ici là, le 11 octobre, la transition est moyenne, je trouve, mais on aura déjà, nous, conclu. La saison 8 est donc conclue, hein. Oui, On va tout à fait. attaquer la saison 9. La saison 8 de l'IFED est finie depuis un petit mot maintenant. Ça a été Depuis fini par Fred SummerSlam. Perdue. Non complet, malheureusement. Ouais, parce qu'il n'y a eu que deux matchs faits, hein. Le match intercontinental, donc SSL contre Dolph Ziggler, et le match UEFA Championship, donc Seth Rollins contre John Cena. John Cena a par ailleurs gagné, j'ai le match sur ma console, mais bon, j'ai pas vite fait, j'ai changé de vie, j'ai changé de ville, j'habite avec ma femme et non plus avec ma mère. Il y a beaucoup de choses qui ont changé pour moi et honnêtement, ça m'a pas, enfin, c'était pas ma priorité de faire ça. Le match est sur ma console, j'essaierai de le mettre sur YouTube quand je pourrai. Mais voilà, donc fin de saison un peu chaotique. Ross est revenu. Il compte être là pour la saison 9 et Il est ça risque revenu au d'être bon moment intéressant. parce que moi je voulais vraiment lâcher tout Bah, de A à Z. Et pas Ross m'a forcément une convaincu un lassitude, peu. mais t'as fait quand même pas mal Voilà. de choses pour le forum, donc c'est un peu logique à un moment donné, t'as envie de te Oui. poser, surtout que maintenant t'as une femme, donc c'est un peu normal et logique que t'aies envie de. Exact. On l'a toujours Bon, ouais. dit, on met d'abord en priorité la vie privée avant le forum, c'est tout à fait logique et normal, je vois pas en quoi ou ça Exact, poserait voilà. problème Mais quoi. bon, après. Bon, j'ai quand même fait le maximum, je suis toujours là. Je continue, mais je ne serai pas GM l'année prochaine. Je ferai toujours partie du staff. Mais je ne ferai pas le plus gros travail. Yoga a intégré le staff pour la saison 9, d'ailleurs. Je lui avais proposé, bien avant. Ça fait longtemps que je te l'ai proposé, que je t'avais dit, si l'année prochaine on continue comme ça, j'aimerais que tu sois mon bras droit. Oui, tu me l'avais dit, je confirme J'ai tout à pensé fait à ce deux, que tu trois m'avais autres dit. personnes, mais sachant que tu avais déjà un vécu d'administrateur dans une autre IFED. Mais que j'étais aussi dans la saison 5 dans le staff, donc j'avais des C'est bases. ça, t'étais modérateur aussi, t'étais en gelée à l'époque, et t'as quand même fait une bonne saison 8, une très bonne saison 8 même. Je te l'avais proposé au mois de juin-juillet, ça me semble. Oui, c'est Et cela. en fin de compte, derrière, Ross est revenu fin août, et Ross a dit, est-ce que ça vous dirait pas qu'on nomme Yoga dans le staff? J'ai tout de suite accepté, puisque je lui avais déjà proposé. Après, Donc ça te plaît bien? que je sois clair envers tout le monde et même bah du coup avec toi Ben au même moment. Je tiens, c'est pas une question d'être dans le staff ou pas ou quoi que ce soit, moi dans la vie de tous les jours, dans mon service civique que je fais actuellement ou bien sur les forums en tant que bénévole, je fais ça pour le plaisir, d'aider surtout également. Et j'ai entre guillemets ce caractère, cette personnalité, on va dire, d'aider, de vouloir investir, d'être surtout on va dire social, d'apporter on va dire quelque chose au forum, etc. Et j'attends pas en retour d'être dans le staff ou quoi que ce soit, je fais ça naturellement et je tenais à le dire pour tout simplement quoi, j'attendais En pas à fait, être dans le staff quoi. la clé d'un bon parcours à Wevo est un truc, voilà, faut jamais rien attendre Oui, tout à fait, de oui. personne. Donc quand on fait quelque chose, faut le faire. On dit, tiens, si je fais ça, il y a un tel qui va venir ça. Si je fais ci, il y a un tel qui va venir ci. Faut faire son taf, faut venir. Et basta.
Après, voilà, faut pas se dire, tiens, si je fais ça, j'aurai un salami à la fin de la saison. Si je fais pas ça, j'aurai un crappy. Si je fais ça, je serai bien vu. J'aurai un tatouage, genre des trucs comme ça. Sinon, on n'a pas fini, quoi, sincèrement. Sinon, on n'en a pas fini. Et déjà que la saison 8 a pas été évidente. On a eu un petit pic, hein, où c'était pas trop mal. Aux alentours de janvier, février, c'est toujours pas trop mal. Après, pour WrestleMania, c'était plus compliqué. Et Et après, tout après, bah, doucement, un on a petit peu, chaque descendu. mois, bah, ça coulait. Et en fin de compte, j'ai failli tout lâcher, de chez tout lâcher. Mais Ross est revenu au bon moment, j'ai envie de dire, parce qu'au moment où j'étais en train d'écrire le message sur le forum, comme quoi j'arrêtais, machin, et puis que voilà, Ross était en train d'écrire en même temps que moi. Alors que Ross, ça faisait 3 mois que j'avais pas eu de nouvelles de Ross. Et je me dis, mais la coïncidence, elle est folle. Elle est folissime, la coïncidence. tant mieux justement. Bah tant mieux, ça m'a sauvé, parce que du coup, je suis resté. Je me suis dit, je vais rester, mais voilà, je voulais redevenir un membre lambda, en fait. Un membre qui attend la décision du GM, qui fait pas les cartes, qui attend les surprises, qui sait pas trop ce qui se passe. Je voulais redevenir ça me manquait, ça, en fait. Et c'était aussi l'occasion de donner l'opportunité à un autre membre d'intégrer le staff, d'apporter, pourquoi pas, de nouvelles idées, de proposer de nouvelles choses. Et voilà, c'est un cycle, en fait. Ça tourne, c'est un engrenage. Et donc voilà, on a conclu que Kyoga intégrerait le staff pour la saison 9. Je reste dans le staff pour la saison 9, même si je ferai pas un travail phénoménal comme j'ai fait. Ça m'embête de me vanter, mais comme j'ai fait depuis maintenant Depuis la saison 3, 5 4 ans. environ, saison 5, oui, je crois que Ouais, sachant que je suis arrivé en 2010 et pendant 2 ans, 2 ans et demi, j'étais un membre. J'ai même failli abandonner à un moment donné. Finalement, je suis resté, puis bah depuis quelques années, voilà, je fais du gros travail. Je suis pas seul, parce que mon gros travail, il n'est pas possible sans vous. Je fais du gros travail parce que vous êtes là. Pour vous. Il n'y a personne, bah je peux pas faire de gros travail, quoi. puis après, si on le fait parce que ça nous plaît de le faire, etc., après. Il faut que ça plaise à le faire. Il faut voilà. Mais faut rien t'en retourner non plus Voilà, quand on mais. fait. Parce que tu sais, quand j'ai organisé le Royal Rumble, mais je savais qu'on allait être à peine 10. Et que le soir du Rumble, j'ai fait un live et que j'ai bossé pendant un mois dessus pour avoir 10 gars qui le regardent. Bah ça fait chier, honnêtement. Ah, bah oui, tout à fait. Mais j'ai pris du plaisir à le faire et le peu de membres qui étaient là, ils ont pris du plaisir, ils ont passé une bonne soirée, on a bien rigolé, et basta, tu vois. Et c'est ce qui compte. Après, moi, j'aurais un grand regret sur tes lives, hein. Mais je sais pas pourquoi à chaque fois. Je sais pas si c'est une question de Maku, mais à chaque fois c'était un live sur à partir du portail de la Wevo. Ouais. J'avais le souci de lag ou c'était pas fluide ou j'avais un décalage. Oui, voilà, bon Mais après c'était que c'est sur le chacun. portail de la Wevo, ça tombe, j'avais Non, enfin, un moi souci sur je ça. donnais le lien aussi du lien direct du truc Mais sur Ustream. c'est vrai que je m'en souviens, au dernier live, j'allais sur le lien du stream, sans passer par la Webo, je t'avais dit en MP, bah, sur Skype, bah, finalement ça Oui, je m'en fonctionne, rappelle. malheureusement je vois pas la chatbox de ce qu'ils disent, quoi, Voilà. en fait. Voilà, bon après voilà, il y a plein de petits détails, mais bon, on a quand même fait une saison 8, il y aura bien des slamis, il y aura bien des crappies. Problème, c'est que les slamis, les crappies, Ross avait dit ça serait bien que ce soit que les membres du staff qui votent. Suite au. Entre guillemets, à l'activité qui manquait et qu'il n'y avait pas beaucoup, on va dire, de membres qui ont Voilà, participé par jusqu'à rapport la au fin. fait, comment très actif de octobre à là, juillet-août. On tournait à 7 membres très actifs, même pas 6-7 membres très actifs. Il y a d'autres membres, on était plus à un moment donné quand même, on était plus que 6-7. Mais c'était pas des membres qui étaient là tout le temps, qui suivaient pas ce qui se passait, pas tous les jours non plus, mais quand même régulièrement, quelques fois dans la semaine. Ou qui ont fait une moitié de saison, ou un quart, ou trois quarts, ou voilà, et puis voilà. Donc du coup, Ross voulait qu'on vote que les membres du staff, mais les membres du staff, il y a Hamid, et Ross, et il y a moi. Même si Yoga, on l'intégrait dans la conversation du staff il y a maintenant un mois et demi déjà quand même. Mais je suis censé intégrer le staff officiellement lors de la saison 9, en En fait. saison 9. Donc moi, il n'y a que moi véritablement entre Hamid. Même si Hamid, il a fait la saison. Il n'était pas là, il n'était pas présent comme un membre du staff, entre guillemets, devrait être présent. C'est pas une attaque, c'est pas un reproche, c'est un Même constat. lui, il le reconnaît, hein. C'est vrai que même lui. Même lui le reconnaît, voilà, il est le premier à le dire. Quand Ross a dit faites vos votes et puis on va après. Hamid, il a dit, bah, moi, je vais bien voter. Mais le problème, c'est que bon, j'ai pas été là souvent, souvent, quoi. Et dans les catégories, dans ses votes, il y a des trucs qu'il a pas été capable de dire parce que il a juste pas suivi. Donc, du coup, là, avec Yoga, on devait enregistrer le podcast, là, ce soir, jeudi 22 septembre. Mais on s'est dit, mais c'est pas possible parce que il y a que deux véritables votants, Yoga et moi.
Ross, il a donné son avis, mais pareil, il a manqué 3-4 mois d'action, voire même plus, parce que il y a des fois il était là, mais il suivait pas ce qui se passait dans le détail. Donc c'était Donc c'est pas délicat. évident quoi, c'est pas évident On en d'être a là avec. conclu qu'on aimerait que les membres fassent comme l'année dernière, votent. Bah comme chaque Comme année de les toute années façon. précédentes, voilà, comme les années précédentes, que ce soit les membres qui votent, et peu importe pour qui. Donc Ross voulait pas que les membres du staff soient inclus, par exemple, dans la catégorie membre de l'année. Donc derrière, ce qu'on a conclu avec Yoga, c'est qu'on pourrait faire, pour certaines catégories, on dit, on exclut les membres du staff dans le vote. Genre par exemple, pour le membre de la saison, quand on est membre du staff, on n'a plus rien à prouver. Donc c'est entre guillemets, ça sert entre guillemets à rien de voter pour un membre du staff. Même si ces deux dernières saisons, j'ai été élu membre de l'année. Donc ce que je vous propose, c'est de nous donner vos avis sur si oui ou non vous voulez que tout le monde vote ou que ce soit que les membres du staff votent. Et si oui ou non, vous voulez que peu importe la catégorie, les membres du staff soient inclus dedans. On vous laisse libre arbitre, on vous laisse voir, on verra quelle solution a le plus de votes et on fera en conséquence. Donc à vous de jouer, à vous de voter quoi, et Donc tout à vous de jouer, simplement. à vous de nous dire si vous voulez que tout le monde vote et que si vous voulez que tout le monde soit compris dans les votes, peu importe la catégorie. Par exemple, pour le speecher de l'année, les membres du staff pourraient être inclus dans les votants, dans ceux qui peuvent être élus. Parce que un membre du staff, c'est pas le meilleur speecher, c'est pas celui qui fait les plus beaux speeches. La preuve avec moi. J'ai jamais été dans un top 3 par exemple, parce que quand on fait les slammy, on recense quand même le nombre de votes, on fait un pourcentage. J'ai jamais été dans le top 3 des speechers. Je suis pas le meilleur speecher, donc voilà. Mais membre, après, c'est autre chose, membre. Parce que ça m'embête de le dire. Je l'ai dit tout à l'heure à Yoga, ça m'embête de le dire. Même Yoga, tout à l'heure, lui, ça l'a embêté de lui dire aussi ce que je voulais vous dire. Il m'a dit, moi, mais en membre, il y a un tel, il y a un tel. Mais moi, c'est vrai que je me verrais bien membre aussi, parce que j'étais là depuis le début, et jusqu'à la fin, Je et j'ai fait le l'avoue, taf. je l'avoue et je n'osais pas le Et dire et moi, je me suis je. dit pareil, j'ai dit, bah, moi aussi, à ce compte-là, je pourrais l'être, parce que j'étais là du début à la fin. J'ai fait la distrib, j'ai fait 3 lives. Toutes les semaines, je postais une carte en temps, en heure, même si des fois j'avais un jour de retard ou deux, parce que voilà, j'ai fait mes speeches, j'ai fait mes matchs, voilà, j'ai fait vivre le forum. Donc je pourrais dire, bah moi aussi, pourquoi je suis pas membre, c'est pas juste. Mais avec du recul, on se dit, on est membre du staff. On est membre du staff, on n'a plus rien à prouver. On va pas se dire, bah c'est moi le membre de l'année. C'est injuste, ça peut paraître injuste, mais voilà. Donc c'est à vous de décider, c'est à vous de nous dire si oui ou non vous voulez que tout le monde vote, et si oui ou non vous voulez qu'en plus dans les votes, les membres du staff sont inclus. Donc du coup, si donc tous les membres votent, donc vous les membres, vous enverrez les votes à Ben et à moi par MP sur le forum. Voilà, Et Ben et moi on on le déterminera, débriefe à voilà, l'oral. c'est ça. On se partagera ça peut-être, même s'il n'y a pas beaucoup de votants a priori. Et on verra si on prend en compte les votes de ceux qu'on fait un mois ou deux dans l'année, quoi. Parce que je pense à quelqu'un comme Elumas, par exemple. Quand Elumas, il a fait Qui a quoi? Il pas a bien fait suivi. octobre, février, mars, et encore entre octobre, février, mars, il était pas là tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, quoi. Là, il redevient actif. C'est vrai qu'on a pensé. Bah, moi, je vais être franc. Hein, je vous le dis. J'ai surtout pensé à ceux qui ont fini la saison entièrement, qui ont été là de début jusqu'à maintenant. Parce que, Donc comme ces je gens-là, disais il n'y en a tout à pas l'heure, beaucoup, hein. Il y a toi, il y a moi, il il y y a a Acto. Marco, il y a VH, il y a Acto, il y a Ils sont Ludo, quatre, hein, en fait. Hein, il y a c'est tout. Steph, il y a Will. On est 7-8 en gros, hein, donc moi je suis quand même pour que ces 7-8 personnes-là votent. Je suis pour. Je donne mon avis. Faut pas suivre forcément mon avis. Si vous êtes contre, si la majorité est contre, on est contre et c'est que les membres du staff qui votent. Ça vous décidez. On vous laisse. Pareil pour les crapis, hein. Pour les crapis, c'est exactement la La même même chose. chose, voilà. La mi-crapi, voilà. Donc dites-nous, voilà, nous, enfin, on va pas non plus donner notre avis pour pas, on voudrait pas influencer, même si on sait que vous n'êtes pas non plus influençables. On sait très bien que tous les membres à qui on parle, qui nous écoutent, qui prennent le temps de nous écouter, vont dire, j'ai mon avis, je donne mon avis, que ça plaise ou pas aux membres du staff. Voilà. Et c'est une bonne chose, ça nous plaît. Honnêtement, ça me plaît. Donc dites-nous, voilà, on voudrait faire quand même les Slammy Crapi avant d'entamer la La saison saison 9, parce 9, ouais. que la saison 9, le jeu sort le 11, le temps de tester, bidouiller sur le jeu, le temps qu'on se mette d'accord sur la date pour les distribs, le lancement de l'IFED, le lancement de la partie Ça va FIFA, de aller la partie vite, hein. Là, on est NBA. déjà le 22 septembre, ça va aller Ça très peut vite, aller je vous vite. le dis, hein. La saison IFED devrait se lancer, pas la mi-octobre non plus, elle devrait se lancer après le 20 octobre, je pense, a priori. Je sais pas si Ross a déjà des dates en Bah, tête. normalement, il a mis la date, je sais pas si on peut la dévoiler, mais il a déjà mis en place le planning.
On peut dévoiler un petit truc éventuellement si tu veux, Yoga. Un petit truc, pas Et dans le là, détail. il y a la distribution, il a marqué la distribution, donc Donc elle se ferait quand les distributions, parce que j'ai pas eu si d'info. tu préfères, normalement, si parce que là je l'ai pas devant mes yeux, mais ouais, voilà, c'est bon, je l'ai. Donc si vous voulez, la commerce donc il y aura l'ouverture du forum pendant la semaine de la sortie du jeu déjà. Voilà, ouais. Donc je peux vous dire la date, ça sera le lundi 10 octobre, la réouverture du forum. Donc bien sûr le mardi 11, ça sera la sortie du jeu. Jusqu'au dimanche 16, les membres testeront les persos et on clôturera les inscriptions du premier tournoi amical sur le jeu. Le lundi 17, début de la distribution des lutteurs. Et Donc lundi 17, ensuite. début de la distrib des lutteurs. Voilà, on va retenir ça, déjà on va pas tout dévoiler Voilà. non plus. Mais en gros, la saison devrait commencer fin octobre à peu près. Voilà. Mi-octobre, Donc tout simplement. voilà. Donc l'IFED devrait se lancer. J'espère qu'on. J'ai vu qu'il y a quelques recrues qui sont inscrits pour l'IFED. On devrait être entre 10 et 15 sur l'IFED a À peu priori. près comme la saison 8, quoi, comme la saison dernière, à peu près une quinzaine. Non, j'ai vu dans la liste de préinscription, il me semble, on devrait être un peu plus. Alors, je saurais pas te dire où est le sujet de préinscription, C'est mais dans annonce importante, c'est dans administration, attends. C'est dans préinscris-toi W2 Toki 17. alors, on va aller voir ça en direct Saison live. 9, les prix et les inscriptions. Voilà. Donc, en préinscrit, nous avons donc moi-même, Clément, Clément, All Red Everything, Will, Ludo, Mick, Vibe Zoom, The Demon King, Illuma, Sudo, Marco. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11. 11, 11, On est 11 11, préinscrits, sachant qu'il y a sachant qu'avec la deux sortie nouveaux du jeu, il y en a qui qui vont vont acheter le jeu, il y en a qui vont recruter, chercher à jouer en ligne. il y a moins de Il y a moyen de recrutés recruter encore dans la dans semaine la où le jeu est semaine où sorti, je où le sors. jeu sort. Ah, puis je suppose même qu'il y a des anciens qui reviendront Il y sur a l'IFED. peut-être même des anciens, il y a peut-être un Pierre qui va peut-être poser une tête. Bon, puis je sais qu'Acto achètera pas le jeu, mais il peut Mais il y a des éventuellement venir chances, participer à l'IFED. quand même. Voilà, on sait jamais. Donc bon, on devrait commencer l'IFED à 10-11. En très actif, en IFED, on devrait être 5-6. Il y a moyen de faire quelque chose. Après, ça peut. Après, on ne sait jamais. On peut recruter, on peut relancer des gens, voilà, tout ça. On sait jamais. Donc. Voilà, on sait pas, ça peut partir. En tout cas, moi je serai là, Mais on Yoga fera ce qu'il sera faut là. pour dire tenir le forum. Même vous, on compte sur Mais vous. voilà, faut au moins essayer, faut au moins lancer le truc, on lance le truc. Et ça marche, tant mieux, on arrive à continuer, on continue. Et si vraiment on se rend à l'évidence et que bah y a pas moyen de relancer, que ça motive pas les gens, que le jeu soit mieux, qu'il y ait une meilleure ambiance, qu'il y ait des bons trucs proposés en IFED. Ça marche pas, bah on se rendra à l'évidence et là on dira bon bah les gars, tant pis. Même si j'ai vraiment pas envie que ce jour-là arrive. Ah oui, malheureusement, c'est. Donc voilà, donc je pense qu'on a été à peu près assez complet sur tout ça, sur l'actu du forum. On va donner un tes top, tes flops, Yoga, de cette saison dans le Mon global. top, c'est. Je remercie déjà ceux qui ont contribué donc déjà à la saison 8. Et également à ceux qui ont quand même continué jusqu'à la fin de saison, malgré les galères qu'on a eues niveau activité, etc. Et le flop. Ça a été quand même malgré le manque de membres qu'on a eu, le nombre d'actifs surtout, quoi, qui a quand même été un grand manque sur le forum. Et Exact. entre guillemets, des matchs controversés parfois entre certains membres. Voilà, quoi. Ça donc c'est je mes top flops sont quasiment exactement les mêmes que tiens, les mêmes que toi. C'était au moment j'y ai cru hein, quand j'ai vu qu'on en a fait un beau Royal Rumble quand même, même si l'arrivée au Royal Rumble était périlleuse. Bon, c'était pas non plus folichon. Il y a eu des bons moments, franchement, j'ai passé quand même de super moments encore. Les soirées live, je suis désolé de parler que des lives, mais j'aime les organiser, j'aime les voir, même si on n'est pas beaucoup, parce que c'est quand même des super soirées à passer ensemble. On le fait plus, ça, c'est ça aussi peut-être qui fait que les gens restent moins, parce qu'ils ont moins d'affinité avec certains. Il n'y a pas de cohésion de groupe avant. Même quand il n'y avait pas de live, on était sur la box, on était 5, 6, 7, 8, et puis on voyait qu'il y avait du monde, on venait, on rigolait, on se vannait, machin. Et on passait des bons moments en soirée, même s'il n'y avait rien sur le Moi, forum. je l'ai dit à certains membres, saison 5, j'étais pas sur la PS3, j'étais pas avec vous complètement, mais je ressentais une certaine, on va dire,
Il y avait de la complicité quand même. complicité, il y avait une certaine, on va dire, je ressentais une certaine famille. C'est ça en fait qui me faisait chier et j'avais eu des soucis. Surtout sachant qu'on était, on tournait à 30-40, hein. Il y avait SmackDown Raw, plus on avait ouvert un autre brand, Reloaded, RLD. C'est ça. Et donc du coup, c'était comme une famille, c'est-à-dire qu'on s'en trouvait sur Skype. Je vous voyais même parfois jouer entre vous lors des soirées pour le fun comme ça sur le jeu. Et par contre, lors de la saison 7, lorsque je suis arrivé sur la PS4, chacun jouait dans son coin, ou bien certains jouaient entre eux. C'était, à part les matchs defaites, on ne se retrouvait jamais en fait. C'est ça. Juste une fois où on a décidé de faire un petit chamber, où malheureusement les serveurs n'étaient pas top. Donc, à partir du moment où on a fait Escape Event, à partir de là, on a recommencé à jouer tous ensemble, avec tout le monde, quoi, tout simplement. C'est ça. Donc ouais, franchement, une saison chaotique. Le fait que Ross aussi ait clairement dit qu'il lâchait le morceau et qu'il me laissait les rênes de A à Z, ça en a peut-être aussi démotivé certains, parce que Ross est revenu hein, tout de suite. Il y a eu un regain d'activité quand même. C'est à préciser, c'est un constat, c'est pareil. Donc bon, on a eu aussi quelques gros départs quand même, hein. Il y en a qui ont commencé mais qui n'ont pas terminé. Il n'y a pas eu beaucoup d'embrouilles à part un peu sur quelques matchs des fois. D'ailleurs, je pense que ça fera parler au moment d'Eslami parce que je pense que voilà. Mais bon, enfin, c'était la pire saison. Après, il faut l'avouer que c'était la pire saison, mais la NXT commençait déjà, etc. Par Ross, c'était un bon cru. On avait de très bons jeunes rookies. Donc, c'est comme la saison d'avant, on avait des bons rookies et puis on en a gardé 2-3 quand NXT a fermé, et le reste qui était là, qui était moyen, bah ils sont partis, et du coup ça nous a plombé un peu. C'est dommage. Mais vraiment une saison chaotique, il y a quand même eu des belles choses, il y a eu des bons moments quand même, mais c'est autre chose, c'est quelque chose d'autre. J'ai adoré quand même collaborer avec vous les membres, avec Marco, avec VH, avec Ludo, avec Steph, avec Will, avec Acto, et avec toi aussi Yoga. J'ai peur d'oublier des membres très actifs qui ont été depuis le début. C'est tout il me semble, hein. Il y a eu à peu près que ça. C'était un régal de bosser pour vous et avec vous, parce que je vous ai beaucoup écouté, j'ai laissé beaucoup de portes ouvertes, j'ai laissé beaucoup d'opportunités. Et c'était quand même une saison... C'était une saison spéciale, mais j'ai quand même aimé. Je sentais que petit à petit moi la flamme s'éteignait. Ça fait 6 ans que je suis là quand même. Au mois de décembre ça fera 6 ans que je suis là. Ça rythme mon quotidien, ça rythme ma vie. J'y allais tous les jours, absolument tous les jours. Et un jour j'y suis pas allé pendant 2 jours. Je me dis tiens 2 jours, et puis après pas pendant 3 jours. Et là ça fait 3 semaines je me suis pas connecté au forum. Après je suis peut-être marseillais, mais ça fait un moment que je me suis pas connecté. Enfin peut-être connecté, mais pas regardé dans le détail ce qui se passait. Et ça m'embête parce que j'ai le sentiment de vous lâcher. Mais dans un sens, j'ai pas vraiment le choix, et non seulement j'ai pas vraiment le choix, mais en plus j'ai moins l'impression, quoi. Ta situation a changé, c'est tout. Ma situation a changé, j'ai déménagé avec ma femme, je pars très tôt le matin, je rentre très tard le soir, bref, je vais pas vous raconter ma vie. Mais c'est autre chose, et honnêtement ça me manque, mais ce qui me manquait c'est aussi d'être un membre lambda, d'être un membre. Je viens, je fais mon speech, mon match, je participe au forum, mais je fais pas la carte, je prends pas de décision, je subis les décisions, je sais pas ce qui se passe à l'avance, et je découvre au fur et à mesure comme un moment normal, c'est ça qui me manquait. Là, de refaire le podcast, de refaire la WebOTV, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de podcast, ça me redonne un peu de baume au cœur. Donc je serai là la saison prochaine, peut-être pas toute la saison, je serai là, mais peut-être pas sur l'IFED toute la saison, je serai peut-être en part-timer. Je prendrai peut-être un gars, genre un gros gars, mais qui fait pas un match sur les pay-per-view, tu vois. Ou chaque semaine en roue. En fait, ça me fait penser à quelque chose avant de qu'on finisse le VOTV. Je tenais à le dire. Ouais. Et ça me le fait remarquer d'un coup. Parce qu'en fait, moi, c'est pareil, j'avais utilisé John Cena à la Royal Wrestling. Et on m'avait dit que t'es un peu genre le mec sympa, l'IFED, trop gentil, etc. Pourquoi tu prendrais pas John Cena? Et ben justement, à la WWE, le membre qui représente John Cena à la perfection, et même là maintenant, c'est toi. Parce que si tu regardes bien, John Cena au départ dans sa carrière était très actif, était tout le temps là, et ben vers la fin de sa carrière il commence un peu à s'absenter pour des raisons de... Oui c'est vrai quoi, là ouais, il va s'absenter encore de la mi-octobre jusqu'à décembre parce qu'il tourne American Grid. Enfin voilà, enfin bref, ouais, c'est le comparatif, c'est un peu ça, mais
Moi, je suis loyal et j'ai quand même passé des moments excellents là au Evo. Dans ma vie d'adolescent, tu sais, ça fait 6 ans que je suis là. J'ai 22 ans, je suis rentré à la Wevo, j'avais 16 ans, j'étais au lycée. Maintenant, je suis un homme, je travaille, j'ai une femme, tout ça, j'ai une bonne situation, tout nickel, tu vois. C'est aussi tous les jours je participais à ça, tu vois. Et je suis redevable de ça, que ça m'a fait découvrir des trucs. Des fois, je faisais rien de ma vie. J'étais des week-ends complets chez moi à rien faire, bah. J'allais à la Wevo, tu vois. Je passais des bons moments, je rigolais avec des gars que je connais pas, que je verrais jamais de ma vie. À part Marco, que j'ai déjà vu quelques fois. Mais voilà, c'est important et je suis content de retrouver le podcast. Je sais pas si tout le monde écoutera. Mais honnêtement, sincèrement, hein, c'est peut-être con à dire, c'est peut-être con à écouter. Mais du fond du cœur, je vous remercie de faire quand même vivre le forum, de faire ce que vous faites parce que franchement, feuder toujours contre les mêmes gens, faire les matchs contre les mêmes gens, ça peut être barbant, mais non. Vous n'avez pas lâché, vous serez là en saison prochaine normalement pour la plupart. Et c'est un kiff de se connecter, de voir que vous lâchez pas. Encore des braises. En soufflant sur des braises, on peut rallumer un gros feu. Et c'est mon souhait le plus cher, honnêtement. Et j'espère que ça marchera. Quel Je vous souhaite espoir, beaucoup de tu l'as courage. dit. Je serai là, voilà, tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Et j'espère qu'on vivra encore longtemps. Parce que ça me foutrait un. Je serais pas bien si le forum venait à fermer, franchement. J'ai eu peur de ça cet été. Si Ross était parvenu, je pense que j'aurais pas relancé de saison 9. Donc honnêtement, hein, je vous le dis, et Ross est revenu, ça m'a fait du bien, ça fait du bien pas à tout le monde, et j'espère que la liste de distrib, le fait que on sera peut-être un peu plus cool sur la distribution en saison prochaine, ça peut peut-être redonner du baume au cœur à Ouais, certains. sinon pour la saison 9, concernant certains qui sont peut-être différents dans certains matchs avec d'autres, c'est de mettre tout ça de côté, de repartir de A à Z de zéro, et de rejouer comme avant. Essayons de rejouer pour le plaisir, comme on faisait parfois le soir, etc. Non mais même franchement encore Ça cette manque saison quand on même a ces quand même saisons-là. il y a comme enfin moi franchement en weekly même si je perdais même si je gagnais j'ai quand même fait des sacrés matchs mine de rien Ah bah oui. même si sur la fin de saison mes matchs ils duraient 4 minutes parce que j'étais pas concentré parce que j'étais là mais j'étais pas là mon match à SummerSlam il a duré 5 minutes parce que j'étais malade comme un chien quand on l'a fait j'avais une angine blanche j'étais faible j'arrivais même pas à me lever j'ai mis 5 minutes pour me lever de mon canapé à ma console et Marco il me dit t'as quoi je dis bah oui bah moi je suis malade enfin je peux pas quoi tu vois. Donc, y a tout ça. Moi, j'espère que ceux qui sont engagés à se préinscrire pour la saison 9 seront là dès le début de la saison 9, feront un bon début de saison, et que notre futur GM nous sortira des bons trucs, que ça enjaille tout le monde, que Ross soit là, que Yoga soit là, moi je serai là quand même, il y aura des anciens membres qui seront là, j'espère, et qu'on lance un coup la machine, et puis qu'on rigole encore un coup, qu'on relance un truc, qu'on recrée un bon groupe de potes. Le but, c'est quand on se connecte au forum, c'est on se dit... Putain, c'est cool, je sais que dans tous les cas, même s'il n'y a pas grand monde, On va se il y aura un marrer. tel, il y aura un tel. On va se marrer, on va se taper des délires. Ça dure peut-être 1 heure le soir. Ça fait du bien, quoi. Et on compte sur tout le monde, que ce soit membre, Et staff, on compte. etc. On est tous égaux. C'est juste que il y a des membres du staff qui sont là pour dire mener un peu le forum, prendre des décisions, mais on est tous égaux, je tiens à le dire, hein. Certains sont dans le C'est staff ça, pour prendre des c'est décisions, important. mais on est tous égaux. Donc, voilà. On est tous, chaque membre a sa contribution à apporter pour le forum, tout simplement. Exact. Donc ça sera le mot de la fin. On va pas s'éterniser non plus parce Ouais, que voilà. un bon podcast, il faut pas non plus qu'il dure 150 ans. Ça fait à peu près 30-40 minutes qu'on est en émission. Donc on va bientôt vous laisser. Yoga, si t'as un petit mot Non, dédicace à tout le monde et puis pour la bah fin. chemise gone quoi. Bon jeu à tous. C'est ça, exactement. On pouvait pas mieux finir ce podcast. Je n'ai rien à rajouter. Je serai là le plus possible. Je donnerai le plus que je peux la saison prochaine. J'espère aussi que les autres membres en feront autant. On espère qu'il y aura d'autres des révélations, des confirmations, et qu'on fasse un bon début de saison, qu'on aille jusqu'à WrestleMania, qu'on fasse des bonnes fêtes, des bonnes rivalités, des beaux speeches, des podcasts, des émissions, des chroniques. Et voilà, et en plus, il y aura en plus de ça la partie FIFA qui sera active, la partie NBA aussi, qui sera là. Ça peut en motiver certains, ça peut créer quelque chose. Donc soyez là, respectez vos engagements. Après, si vous avez la vie perso, passe avant tout. Hein, j'en suis la preuve vivante, hein, j'ai fait passer ma vie avant le forum. Voilà, ça c'est pas discutable. Donc amusez-vous, kiffez, j'espère que vous nous avez bien écoutés. N'oubliez pas de donner vos avis pour les Slamic Rappy.
Et on se retrouvera en podcast, hein, j'espère, pour l'Islamic Rapi, avant le 11 octobre, j'espère. Ça sera une bonne chose. Yoga, je te remercie d'avoir été là. Je te souhaite bonne chance dans tes futures responsabilités au sein du staff. Je sais que tu feras du bon taf. Et puis, on va terminer. On peut terminer en chanson si on peut chanter une petite chanson. Je sais pas ce que tu veux chanter comme chanson. Allez l'OM, voilà. C'est pas une chanson, allez l'OM, mais. Je suis uni, vas-y. Je continue. J'ai pas de chanson. Donc on va s'arrêter parce que ça devient gênant. Je vous remercie de nous avoir écoutés si vous nous avez écoutés. Et on se retrouve très vite en podcast. Dédicace à tout le monde, dédicace à ma femme Charlotte que j'aime du fond du cœur, c'est la femme de ma vie, je t'aime princesse. Et puis c'est tout. Voilà. Salut. Merci à vous et à très vite. Salut.